Le nucléaire iranien s'est invité au sommet informel de l'Union européenne jeudi à Sibiu, en Roumanie. Les Européens ont rejeté l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois à l'UE pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. Les 27 se disent très inquiets. Ils ont réaffirmé leur espoir de sauver l'accord international de 2015. Nous demeurons pleinement attachés à la mise en œuvre intégrale du plan d'action global sur le nucléaire iranien. C'est une question de sécurité pour nous et pour le monde entier. L'investissement de l'Union européenne dans la non-prolifération reste pour nous une priorité absolue. Jusqu'à présent, nous avons vu l'Iran se conformer pleinement à tous les engagements qu'il a pris en matière nucléaire. Washington a encore durci mercredi ses sanctions économiques contre Téhéran en ajoutant l'acier, le fer, l'aluminium et le cuivre au secteur visé par des mesures punitives. De son côté, l'Iran menace de renoncer à certains engagements de l'accord sur le nucléaire de 2015 si les Européens ne l'aident pas à sortir de son isolement économique.